We started with Cora Plains based on the traditional, but there's a lot of experimental stuff going on in there as well. Who have you been listening to Nani, and how do you apply what you've heard other musicians play to your style of music on the Cora? Et tout d'abord, moi, j'ai pas eu de professeur pour la Cora. J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans et j'écoutais les cassettes de mon grand-père, Amadou Bansan Diobaté, et de mon père Sidiki Diobaté, et beaucoup d'autres musiciens, aussi Elvis Presley, et James Brown, et tout ça. Have the Diobatés been musicians for hundreds of years? Depuis, disons, dans le 13e siècle, et l'instrument que je joue, qui s'appelle la Cora, est venu dans l'histoire du Mali. Et c'est un instrument qu'on peut voir seulement dans 5 pays d'Afrique, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Gambie. Now, when you were having to hang around in the dressing room most of the morning before your performance here, you got a phone call from Paul Simon asking you to go and work with him. What do you know about Paul Simon, if anything? Disons que je n'avais jamais écouté la musique de Paul Simon. You've never heard him? Non. Oh. Et je connais son nom comme Peter Gabriel, comme Phil Collins et tout ça. Mais je n'avais jamais écouté sa musique et je ne le connaissais pas. Alors, il a téléphoné et ça l'intéresse que tout le monde vient avec sa Cora pour jouer sur son dernier album et tout ça. Donc, ça m'intéresse bien de le faire et de voir toujours, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Quand j'ai commencé à jouer à la Cora, j'ai tout de suite voulu donner, ouvrir une porte universelle à la Cora. Et je pense que mon chemin est en train d'aller petit à petit. So you're going to do it? Yeah. It's another gig, isn't it? Of course. La Cora, c'est une basse que vous pouvez voir, une calebasse qui est renfermée par une peau de vache. Vous voyez, ça c'est la calebasse, la peau de vache qui la renferme. Et un bruge, comme vous appelez, un pont, un chevalet, qui est là pour tenir les cordes. Et on a 11 cordes à gauche et 10 cordes à droite. Pour le jeu, ça se fait avec les quatre doigts. Je dis grand, on le fait comme ça. Il y a d'abord la main droite, pouce, qui doit faire l'accompagnement. Et ça, ça fait la basse. Et ça, ça doit faire le solo. Et ça, ça doit aider cela à faire le solo. Donc, c'est un instrument qui a trois possibilités à la fois, la basse, l'accompagnement et le solo. Je suis né dans une famille de griots, je suis de cette génération. Les griots, leur rôle principal, c'est de faire l'union entre tout un peuple, de créer l'union, la communication, et en même temps sauvegardant l'histoire passée, l'histoire ancienne de l'Afrique occidentale, qui n'avait pas, dans le 13e siècle, de l'écriture et tout ça. Donc les griots sont là, de père en fils, ils transmettent les messages et les histoires qui se sont, les faits qui se sont déroulés entre des pays, entre dans l'empire même du Mandé. Donc voilà, les griots sont un peu aussi l'ambassadeur de la culture et les sauvegardeurs des bibliothèques de l'histoire ouest africaine. Donc je viens d'une famille de là. Leur rôle principal, c'est ça, c'est de faire l'union entre n'importe quelle personne, de parler entre un homme et une femme, et ils participent au mariage, au baptême, ainsi qu'au décès aussi avec tout le monde, et ils ont leur place dans la société ouest-africaine. Ma mère, mon père et tout le monde sont musiciens dans la famille. Mon père, sa spécialité aussi, c'est l'improvisation. Il a eu le titre de roi de la Cora. J'ai essayé aussi à développer cette technique, ce système d'improvisation plus rapide, et surtout le feeling d'être avec les autres musiciens et d'essayer de les comprendre et essayer de mettre sa musique là-dedans pour pouvoir le développer.